Thank you.
ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les au roi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de sang. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient l'arbre. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation qui disait : Qui est cet homme ? Et les foules répondaient : C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole.
Thank you.
Lecture de la lettre de Saint-Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des douze nommés Judas Iscariote se rendit chez le grand prêtre et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent et depuis Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le maître te fait dire : Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.
Les disciples firent ce que Jésus lui avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi mon plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il l'est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit : Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit : Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu mourras renié trois fois. Pierre lui dit : Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait : Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait : Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors que les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent : Celui-là a dit : Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer : Je ne connais pas cet homme.
et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple vinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par le Fils, par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur. Il interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il le relâcha à Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils dressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon
en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant le sort, et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte : Eli, Eli, lema sabachthani, ce qui veut dire : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient : Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre, et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient le moine. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or,
Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « Trois jours après, je ressusciterai. » Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et le disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, « Vous avez une garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Les rameaux que nous avons en main en sont le signe.
Pour ne prendre qu'un dernier exemple de ce grand désir relationnel et d'amour que Dieu veut pour chacun d'entre nous, retournons à Gethsémani. Rappelez-vous, Jésus demande aux disciples de s'asseoir pendant qu'il part prier. Mais eux s'endorment. Ils n'arrivent pas à veiller seulement une heure pour soutenir leur ami. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici et maintenant? Pensons à ce qu'implique de trahir sa parole avec un enfant, un ami, toute personne. Trahissez vos paroles, vos actes, la relation, la confiance sera brisée, parfois à jamais. Jésus, lui, tient toujours sa parole, alors que nous, souvent, tombons endormis dans notre confort, notre bien-être ou notre pire indifférence. Le miracle de cette semaine, c'est que Jésus ne perdra jamais sa confiance envers ses disciples. Il tiendra sa parole jusqu'au bout. Il les aimera jusqu'au bout, au-delà de leurs défaillances et bien sûr des nôtres. Dans son dernier souffle, Jésus se tourne vers son Père et dans un grand cri, il rend son souffle, il rend le souffle. Ce souffle de vie donné par Dieu lui est rendu et cette vie se termine, comme nous venons de l'entendre, à la fin de l'Évangile, dans le déchirement du voile du temple, dans l'ébranlement de toutes les des violences, dans un tremblement de terre. Tout cela obstrue nos relations, les relations en vérité. La nuit recouvre tout, car le don de la parole n'a pas été reçu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. La parole de Dieu, celle que nous entendons régulièrement, nous chrétiens, est venue pour créer la relation, donner corps à la relation, faire vivre l'alliance. Mais elle n'a pas été entendue ni écoutée. Elle a été détournée, déformée, rejetée. Tous les récits que nous entendons cette semaine particulièrement vont chercher à nouveau à se faire corps en nous, à se faire parole, à se faire verbe dans notre chair, à créer la relation pour que nous puissions ensemble nous soutenir, nous aimer, comme Jésus l'aura fait jusque sur la croix. J'ai désiré d'un grand désir. Aujourd'hui, cette semaine, demandons cette grâce de vraiment pouvoir entendre toute parole, cette parole en particulier, et d'en vivre ensemble, pour lui, avec tous, pour Dieu et pour la vie éternelle. Et son règne n'aura pas de fin.
Hosanna, chers frères et sœurs, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, la liturgie nous fait vivre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ensemble, supplions-le pour tous nos frères et sœurs. Sur leur propre chemin, maintenant et pour les siècles des siècles.
la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il vous notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. On passe au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. » Esprit Saint, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Thank you.
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Thank you.
Par le Christ, notre
n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir